Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sibu Shoho. Donc voilà, alors aujourd'hui il est 10h23 et on est au milieu du printemps, c'est le quatrième jour. Donc j'ai passé la nuit parce qu'il pleuvait, donc là il fait 13 degrés, le sol est à 7 degrés. Donc et là je vais planter, je vais m'occuper des champs, je vais d'abord mettre de la chaux parce que j'ai besoin de mettre de la chaux. Je vais mettre de la chaux d'abord. J'en ai mis à droite ici. Alors j'ai pas planté de l'avoine, je vais commencer, mais finalement je l'ai enlevé parce que vu que je ne peux pas le mettre à l'avoine, que c'est trop tard. Parce que comme vous pouvez voir, l'avoine. Alors je peux planter du blé parce qu'il fait 7 degrés j'ai dit. Donc je peux planter du blé, de l'orge. Mais l'avoine je peux plus, je suis hors période. C'est fini. Donc je vais planter du blé, de l'orge. Enfin, du blé ou de l'orge. Le colza, bon le colza de toute façon je ne peux pas le planter non plus parce qu'il se plante que au printemps. Du printemps. Ensuite le soja. Et le maïs, il se plante maintenant aussi, mais je peux pas le planter parce qu'il faut qu'il fasse 9 degrés et 8 degrés pour le maïs. Donc comme il fait 7 degrés, le sol est à 7 degrés, il faut qu'il fasse 8-9, donc je peux pas. Donc c'est marqué en bleu, c'est pour ça que je peux pas. Donc je vais me mettre de la chaux, commencer à préparer. Je vais mettre du blé ou de l'orge, je sais pas, un des deux. Déjà, et après on va voir si ça, la température remonte ou pas. Bon. Donc ensuite alors bon, là il y a du soleil maintenant, il y a des nuages après qui vont arriver, mais bah, apparemment il n'y a pas de pluie plus que mercredi, mais bon voilà. Alors mon poulailler, j'ai commencé à avoir des œufs, j'ai un petit peu d'œufs, j'ai une barquette d'œufs là, voilà. Après bon ben par contre j'ai prochain animal dans là dans quoi 0-1, 6 mois, non je sais pas, là c'est plus marqué après, là c'est le coq, et après derrière c'est les, ils font 700 grammes les mâles, ils faisaient 200 je crois quand je les ai achetés, ils sont 700, ils ont pris quand même 500 grammes, et les femelles, ben on va attendre. Alors j'avais dit que les femelles, alors il n'y a pas besoin, pour faire des œufs, il n'y a pas besoin de coq, ni poulet, ni pour les canards, il n'y a pas besoin de mâle, hein. C'est surtout pour faire des petits bien sûr. Donc voilà, bon ok, mais puisque c'est ça, donc je vais commencer, je vais détacher, sélectionner, où se connaît ici, je vois rien, là, hop, déployer. Déployer, j'ai pris un plunder avec ça derrière. Bon, c'est pas mieux ce que je viens de faire là. Voilà, je recommence, je vais faire comme ça. Ah. Alors, je sais plus où ça va exactement ce truc là. On verra. Allez go. Ah où je vais. Eh ouais. Bon, je vais faire comme ça, t'es du coup. Juste à ça pour se le planter quand même.
Ah, c'est pas moi, ça. J'ai pas fait ça, c'est le voisin, quand même. C'est pas moi, donc. Oui, j'en ai trois. Ah oui, j'en ai que trois, oui. Un, deux, trois. Et quatre avec l'autre. D'accord. Ok. Je vais mettre de la chaux et après je vais préparer la terre. On verra, déjà je vais commencer déjà ça, on verra. Hein. C'est l'enfer quand même, c'est pour ça que j'ai pris un truc à 9 jours parce que mine de rien, comme je peux faire en plus après comment s'appelle l'herbe aussi, quand ça sera prêt. Puis comme je peux faire en plus tous les. Pouh, j'ai 22 santé alors. Comme je veux faire les plein de enfin, tous les animaux quoi finalement en fait le cheval et le cochon après là je vais d'abord me faire commencer ça parce que je commence à avoir un peu de je peux faire du blé ou de l'orge pour la paille du maïs pour les cochons parce que c'est le truc qui est le plus important je veux dire le plus truc quoi puisqu'après le reste c'est un truc. Oh, j'ai perdu le sens. ouais. Et je vais faire du blé ou de l'orge. Je pense que je vais faire du blé pareil. Puisque de toute façon, je peux pas faire de maïs. Après, il faut que je mette ensuite de l'engrais. Il faut que je mette ensuite de l'engrais au justement au comment s'appelle au pré d'herbe alors aussi donc. Bon, il me reste que là en fait. Bon, ça c'est fait. J'y suis même passé partout à peu près quand même. Ça. Ouais c'est bon. Là un petit peu. Je vais mettre un petit peu là. Allez go!
Je vais le mettre. Merde. Il me reste la moitié. Je vais le mettre ici. Au fond, je vais le mettre là. Ça va pas me gêner comme ça. Et là, je vais me mettre directement. J'ai enlevé l'avoine que j'avais mis là. Parce que... non, le bizarre, j'en fais pas parce que bon. C'est de l'herbe mais aussi hein, pour les vaches. Je vais m'embêter. Je vais pas faire celui-là, je vais d'abord parce que je vais faire ouais j'avais la voile mais je vais sortir. Je vais me faire lequel c'est qui est le plus grand, voyons, je crois que c'est celui-là. Où est-ce que je suis là? Il y a trois. Celui-ci ou celui-là? Ouais, le 53 petit. Le 52 ou le 54? Je pense que je vais faire le 54. Oh, c'est kiff, qui bourrique. J'ai envie de faire 54. Oh, je vais faire 52 pareil du maïs. Et le 54 de l'orge pareil. Ou du blé, je sais pas. Et les deux autres, je vais faire... autre chose. Ouais, le 54 a l'air quand même plus large. Oh, ce qu'il fait, je pense. Oh. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire 54. Allez, go! Je vais faire 54. Celui-là, il est plus petit. Oh, ça se voit. Et celui-ci, donc, il a l'air plus grand, ou pas. Voyons. Oh, c'est pareil. Ouais, je vais faire comme ça. Allez, go. Faut commencer quelque part. De toute façon, je peux pas faire de maïs, j'ai pas le truc qu'il faut pour ça. Ouais non, je vais commencer de l'autre côté. Parce que si ça va être pour le à la paille en fait. Allez go, je vais faire comme ça. Alors, où c'est que je suis devant là? Tac. Celui-là. Non pas celui-là. Je vais mettre d'abord. Alors. En marche. Ah oui, il faut que je mette d'abord la semence. Baisser. Non. Ah oui, il faut que je. Alors comment je fasse ça déjà? Activer. Ah, non, je vois rien. Sélectionner semence. J'ai dit je mettais du blé. Pour jouer du blé, pareil. Pousse, pareil. Colza, non. Soja, non plus. Radis oléagineux, non plus. Herbe, non plus. Luzerne, non plus. Rail, seigle, non. Triquital, triticale, non plus. Blé, jouer du blé. Classique. Du blé, allez go, du blé, ensuite, donc,
Ok. Je vois rien, je sais pas si j'allume ou pas. Non, j'ai pas allumé. Allez. Bon, par contre, c'est un peu chiant, hein, c'est vrai que. Voilà, c'est bon. Et l'autre, hein, il est tout seul. L'autre, ah oui, par contre, il faut que je fasse comme ça. Et après, hop. Hop, hop. Et. Alors, je vais reculer un peu. Il faut que je la voie. Que je le fasse comme ça. Alors c'est parti, on va essayer. Je me suis pas trompé. Le blé, je peux faire. Bon, le blé 5 degrés. Je suis dans la ligne, ouais, c'est bon. 5 degrés. Il y a combien? On est à combien? 7. Ok, c'est bon. Allez go, c'est parti. Comme ça je suis tout le matin. Je l'avoue, je passe à la herse et je sème. Par contre de 20, oui, je pourrais le mettre à le baisser, mais j'ai pas envie. Faut que je baisse, je monte, c'est chiant. Faut que c'est comme ça. Ouais. Blé planté, ouais, c'est bon. Ok, ouais. Alors je vais essayer un truc aussi. Ça va être essayer de faire sans la. Comme ça, on voit pas grand chose. Je vais essayer de faire sans le. C'est un truc de l'herbe. C'est-à-dire je vais essayer de pousser l'herbe. Je vais faire façon écologique. J'ai décidé comme ça pour changer. Pour faire plaisir aux écolos. S'il y a des écolos parmi nous comme ça, c'est comme ça. Je vais faire comme ça. Même si j'ai moins d'argent, je m'en fous, c'est pas grave, de toute façon. Vu que j'ai de l'argent, vu que je triche de toute façon, c'est pas grave. J'ai envie comme ça d'essayer, je vais essayer de pousser l'herbe. Comme ça, ça fera un petit peu comme si je faisais un petit peu le truc un peu écolo quoi. Alors je vais faire comme ça. Je vais faire les bouts. Comme d'habitude. J'ai un tracteur 400 chevaux, je disais, bon, qui est truc, mais c'est pas de trop parce que normalement, pour les trois instruments, il faut à peu près 100, pas plus 100, 100 chevaux chacun. Et pour le. Je sais pas si c'est la souffleuse, le compacteur ou la herse, il faut 160 chevaux, donc ça fait à peu près 360 chevaux à peu près. Donc, de toute façon.
Voilà. Comme ça, après, il ne me restera plus qu'à passer le fertilisant, passer trois fois. Je vais passer un suivant après, une fois fini. Au fur et à mesure, quoi. Bon, j'ai commencé quoi, parce que oula, en ligne, et puis après je finirai en off, parce que c'est l'enfer quand même, hein. J'ai pas pris un gros machin, alors oui, parce que finalement c'est kéfi, parce que comme je vais faire une fois, si j'avais pris un instrument plus gros, j'aurais pas pu à la fois labourer, passer la herse, j'aurais dû passer trois fois le... Oh, c'est kéfi, je crois, peut-être du temps, moi je sais pas. Ouais, j'ai décidé plutôt de faire comme ça avec ça, il n'y a pas pour longtemps, hein, parce que j'ai trois champs qui sont pas énormes, énormes, il y en a plus gros, hein, il y a... Je crois qu'il y en a qui font 2 hectares, je crois, parmi les 200 champs là. Il y en a plus, je pensais. Mais j'ai des champs qui sont pas très grands après. Parce que bon, je n'ai pas envie de faire trop des champs trop grands non plus. Surtout que je vais faire qu'une saison moi en plus. Donc je ne vais pas m'habituer à prendre un gros matériel, du gros matériel exprès. Bon. Puis comme ça, ça me permet quand même de passer les journées, parce que sinon... Si j'ai une autre affaire après, c'est chiant quoi. Déjà qu'un petit peu je passe un rapidos. Ça, ça fait tout. Ça laboure, ça passe le cultivateur et ça sème le moteur. Vous ne mettez pas. Bon, j'aurais pu ne pas passer la charrue, hein, mais. J'ai décidé de déverrouiller, pas de déverrouiller, mais de déverrouiller le mode à la bourre et la chaux, tout ça, quoi. Bon, voilà, bon. Pour essayer d'être au plus près aussi du jeu, quand même. Parce qu'après le labour, on n'est pas obligé de labourer, on laboure pas chaque fois. On laboure toutes les... Comme je voulais faire qu'une fois, on laboure toutes les 3 ou 4 fois, je crois. C'est un peu lent. Chaque champ, on va le faire. Et comme je voulais faire qu'une fois, puis voilà, je me suis dit, je le fasse un peu. Avec le décompteur, c'est mieux que la charrue, quoi. Parce que là, la charrue, on peut pas passer. On est obligé de passer la charrue, passer deux instruments après, tandis que là, on peut toute la fois, le décompteur, c'est pratique. Enfin, surtout celui-là est pratique. Le Kuna, c'est tout un heure, c'est pratique pour ça, en fait. Par contre, je me fais chier un peu là quand même. Bon, ça ira. Donc voilà, ça va être une vidéo chat, on va dire. Tout à l'heure. Et puis voilà.
Je sais pas si je vais finir le champ quand même, hein. Ça me donnerait. Je finirai en off et puis après je vais continuer là-bas. Hein. Je peux encore faire un 3 champs quoi. Donc à part le maïs, à moins que je fasse maïs et tournesol, mais. Alors après, c'est vrai que je peux. Baisser le vin. Et ça fait plus réaliste puisque ça tourne alors. Par contre, est-ce que je peux tourner avec ça? Oh oui, ça tourne. Ah oui, ça tourne. C'est bon. Ouais, par contre, là... Ah oui, ça tourne, donc c'est bon. Quand j'aurai fini les champs, ouais, je vais me mettre, je me mettrai les cochons après. Je le temps encore. Parce que les cochons, c'est le maïs qui va manger le plus. C'est pour ça que je vais faire un champ de maïs assez grand quand même. Et puis comme j'ai pas non plus la paille, bon, mais la paille encore, bon, je rachèterai un petit coup de paille s'il faut, c'est pas grave. Je vais pas m'embêter. Je suis bientôt la moitié, pas du tout là.
Bon, je vais faire ce tour, le prochain tour, finir ça là, ce côté, et après je vais arrêter après. Je continue en off parce que bon. Là. Allez go. Ouais, je vais faire de toute façon. Ouais. Bon voilà. Je vais faire ici. Hop. Bon, et donc ici B planté, mais il faut que je fertilise et voilà. Après, c'était de la jachère, alors on sait pas. Fertiliser, ouais. Et la mauvaise herbe, oh, la mauvaise herbe, je vais faire, je vais essayer de passer, passerai les binettes, la sarcose, pareil, mécanique. Et je vais essayer de pas mettre d'herbe comme ça, de pas mettre de produits chimiques dessus pour faire façon écolo. Pas alcoolo, ouais, écolo. Donc voilà. Bon, et eh bien donc sur ce, voilà. Bon, je vais continuer tout seul. Et on se retrouvera la prochaine fois pour une autre vidéo où j'essaie de montrer autre chose, je sais pas quoi, on verra bien. Bon, allez, je dis bye bye. Donc à la prochaine vidéo. Allez, ciao.